Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe de chez Wotak, c'est le modèle A5, c'est une lampe qui va pouvoir éclairer à 234 mètres avec une puissance de 3650 lumens, donc quelque chose qui est quand même assez élevé. Pour ce qui est du tarif, on est à environ 50 €, c'est une lampe que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique Wotak du site Amazon, je vous indique le lien dans la description de la vidéo, ça vous permettra d'avoir des informations mises à jour concernant le tarif et la disponibilité. Alors Wotak c'est une division de Fluenight, on va retrouver des lampes qui vont utiliser les mêmes technologies que Fluenight il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, donc des choses qui auront été bien éprouvées sur le terrain et puis qui automatiquement coûteront moins cher, donc ça va permettre d'offrir des produits beaucoup plus abordables avec des technologies qui sont quand même très intéressantes. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, on va retrouver des choses très similaires à ce que fait Fluenight, boîte en carton recyclé, très robuste, à l'intérieur on va avoir de la mousse, on trouvera également différents sachets pour protéger les éléments du pack. Dans ce pack, on va avoir la lampe, bien sûr, qui est fournie avec une batterie qui se trouve à l'intérieur. On va avoir une Dragon, un câble micro USB pour le rechargement, des pièces de rechange, deux D-ring et puis deux petits capuchons pour la prise micro USB. On va avoir un peu de documentation, la notice notamment. Alors la notice, elle est rédigée en plusieurs langues. Comme langue européenne, on aura uniquement l'anglais et l'allemand, pas de français, alors ça reste quand même assez facilement compréhensible, la lampe est très facile à utiliser, donc on n'aura pas de difficultés techniques de ce côté-là. La A5, elle est équipée d'une LED Cree XHP70 et on a un réflecteur avec une finition peau d'orange, ça va permettre d'avoir un faisceau lumineux avec des bords vraiment très marqués. La lampe est fabriquée en aluminium aéronautique T6 avec une anodisation anti-abrasion, on va également retrouver une couronne en acier pour protéger la tête. Alors pour ce qui est du poids, on est à 213 grammes avec la batterie. Pour les dimensions, 115 mm de longueur, 35 de diamètre au niveau de la tête et 31,5 au niveau du corps. La lampe, elle répond à la norme IPX8, donc elle va pouvoir être immergée jusqu'à 2 mètres de profondeur. Elle est également anti-choc, elle va pouvoir tomber d'une hauteur de 1,5 mètre. Pour ce qui est des modes d'éclairage, on va en retrouver plusieurs, faible, moyen, fort. On aura également accès au mode turbo, au mode strobe et au mode luciole. Alors cette lampe, je l'utilise déjà depuis plusieurs semaines. J'ai eu l'occasion de la tester dans plusieurs conditions. Voilà des tests que j'ai filmés. Alors c'était par une nuit de brouillard, donc on a des conditions d'éclairage qui sont un peu particulières. Néanmoins, ça vous permettra d'avoir une bonne idée de ses capacités. Alors pour faire fonctionner la lampe, on n'aura vraiment pas de difficulté. On a un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions. Alors pour les différents modes d'éclairage et les durées d'éclairage, eh bien je vous mets un petit tableau donc sur le haut de l'écran. Alors pour allumer la lampe, on appuie sur le bouton. Pour éteindre, on rappuie. On va automatiquement rallumer la lampe dans le dernier mode d'éclairage qui a été utilisé. Ça va exclure cependant le mode strobe, le mode turbo et le mode luciole. Alors pour ce qui est du mode luciole, on va y accéder quand la lampe est éteinte. On appuie longuement sur le bouton, ça va allumer avec une puissance vraiment très très faible. Quand on va vouloir accéder au mode d'éclairage classique, on allume. Et si on veut faire cycler la lampe pour faire défiler les modes d'éclairage, donc faible, moyen, fort, eh bien on maintient appuyé le bouton. Là, ça va faire défiler les différents modes d'éclairage. On va s'arrêter à celui qu'on veut utiliser. Pour accéder au mode turbo, on va faire un double clic. Et puis après, pour accéder au mode strobe, il faudra refaire un double clic. Pour faire fonctionner la lampe, il va falloir une batterie de type 26650. On en a une qui est fournie dans le pack, elle est de la marque Wotak et elle a une capacité de 5000 mAh. Pour la placer dans la lampe, on pourra dévisser la tête
ou le culot, c'est beaucoup plus simple de dévisser la tête de la lampe. Alors quand on va placer la batterie, il faudra veiller à ce que la borne plus, elle se trouve vers la tête de la lampe. Si on se trompe, la lampe elle ne va pas se mettre en route, elle ne va pas fonctionner. Pas de risque d'endommager la lampe puisqu'on a des systèmes de protection. Alors pour recharger cette batterie, on pourra utiliser un chargeur indépendant, mais on pourra également la recharger dans la lampe. On a un port USB, enfin micro USB sur le côté de la tête. On a un petit capuchon qu'on va pouvoir soulever, on va pouvoir brancher le câble qui est fourni et on va pouvoir recharger par la suite. Alors pour ce qui est du bouton, il est équipé d'un indicateur lumineux. Quand le bouton va s'allumer en rouge, ça voudra dire qu'on est en charge. Quand il va s'allumer en bleu, là ça voudra dire que la charge est terminée. S'il clignote en mauve, là c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Alors un dysfonctionnement, ça peut être tout simplement la tête qui n'est pas suffisamment resserrée, les contacts ne se font pas et automatiquement la batterie ne se recharge pas. Donc toujours veiller à ce que la tête ou le culot soit bien resserré pour pouvoir faire la charge comme il faut. On a plusieurs pièces de rechange et un accessoire qui sont fournis avec la lampe. Comme accessoire, on va avoir une dragonne, un modèle vraiment tout simple. C'est un modèle qui va s'accrocher à l'arrière de la lampe. On a un trou qui est prévu pour ça. Comme pièce de rechange, on va avoir deux joints toriques. Ça permettra de remplacer ceux qui sont installés au niveau de la jonction entre la tête et le corps de la lampe, et puis entre le corps et le culot. On aura également deux capuchons pour remplacer celui qui protège le port micro USB. Ce sont des pièces qui, à la longue, peuvent s'user, donc on va voir de quoi les remplacer. La lampe, elle est plutôt dans la catégorie des lampes de loisirs ou d'activité normale. Ce n'est pas à proprement parler une lampe dite tactique, entre guillemets, donc pas de possibilité d'installer un clip. On n'aura pas également dans le pack d'étui qui sera fourni. Ça, c'est un élément qui peut éventuellement manquer si on veut avoir la lampe accrochée à sa ceinture. Pour la A5 de chez Wotak, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Pour un tarif abordable, on va avoir une lampe puissante avec une bonne portée et qui est ultra compacte. Elle est vraiment très simple à utiliser et à charger. Elle est équipée d'un bouton avec un indicateur lumineux. Et puis dans le pack, on va trouver les pièces de rechange qui pourraient être nécessaires. Comme point négatif, ce qu'on pourrait éventuellement relever, c'est que comme on a là une lampe qui n'est pas classée à proprement parler dans la catégorie des lampes tactiques, on n'aura pas la possibilité d'installer un clip sur le corps de la lampe. On n'aura pas non plus d'étui qui sera fourni dans le pack. On va avoir un bouton qui sera peut-être un petit peu plus petit que celui des boutons de commande des lampes tactiques, donc ça peut être parfois un petit peu ardu pour trouver du premier coup. Pour ce qui est de la lampe en elle-même, pour une utilisation prolongée, on va avoir une lampe qui va avoir tendance à monter en température. Ça, c'est le propre de toutes les lampes avec de la puissance. Donc, il faudra faire des coupures de temps en temps pour avoir une température qui va baisser. Voilà pour la présentation de cette lampe de chez Wotak, la A5. Un gros merci à Wotak de m'avoir fourni cette lampe pour pouvoir la tester et vous la présenter. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens et toutes les informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cocher la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront bientôt diffusées. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.